Croisez un ours dans une forêt. Regardez-le droit dans les yeux. Vous devez essayer de sentir s'il va attaquer ou non. La plupart des animaux évitent l'affrontement s'ils le peuvent. C'est l'instinct qui veut ça. Mais au bout du compte, si on a l'impression que l'autre va nous tuer, si on se sent en danger de mort, on se bat comme un démon, qu'on soit un homme ou un animal. Je ne veux pas mourir. Voilà ce que nous crie notre instinct face au danger. Un jour, je me souviens, on poursuivait des samouraïs qui refusaient de se soumettre à l'empereur. On s'est arrêté dans un village d'Ainu. On a assisté par hasard au sacrifice d'un ours. C'était un animal qu'ils avaient apprivoisé. Un ours qui avait grandi parmi eux. Et ça ne les a pas empêchés de le massacrer. De le décapiter pour leur dieu. Je n'ai jamais assisté à une cérémonie aussi répugnante. Quand l'ours a vu ces saletés d'Ainu s'approcher pour le tuer, il a essayé de se défendre de toutes ses forces. Ces hommes, qui avaient toujours été bienveillants, avaient décidé un beau jour qu'ils allaient le sacrifier. Je me souviens de la terreur qui brillait dans son regard. Vous qui arrivez de Sapporo, qui est à 300 km d'ici, si vous allez plus loin, vous rencontrerez sûrement plus d'ours que d'êtres humains. Mais vous verrez, il y a quelque chose d'étrange dans les territoires vierges comme celui-ci. C'est qu'ils attirent des rats très avides et très ambitieux. Ces gens-là, il faut les exterminer quand ils sont petits, croyez-moi. Avant qu'ils grandissent et qu'ils deviennent des ours. C'est les frères Ota. Ils font des histoires avec une fille chez Kiachi. Est-ce que le chef peut venir? Ça risque de mal tourner. Excusez-moi de vous déranger à une heure pareille. Vous l'auriez vu, il s'est mis dans une colère terrible, le vieux Kiachi. Il aurait tué ces deux salauds si on ne l'avait pas retenu. Et les nouveaux membres de la brigade? Fais-les venir, ça sera leur fête de bienvenue. D'accord, chef. Regardez dans quel état elle est. Tout ce qu'elle a fait, c'est rire parce que son client avait un petit machin. Il faut les punir, ces types-là. Coupez-leur la tête à tous les deux. Qui il est, ce couteau? Tous les deux, vous êtes des anciens samouraïs du clan Sendai. Donne-moi le sabre en bois. Vous allez seulement leur caresser les fesses avec ça et les laisser partir? Elle est belle, votre justice. Elle est efficace. Okaji!
T'es là, chef. J'ai payé cher pour cette fille. Regardez, ça représente un gros investissement. C'est seulement maintenant que j'allais commencer à faire du profit avec elle. C'est vraiment comme si j'avais jeté de l'argent à la poubelle. Après ce qu'ils lui ont fait, les clients voudront plus d'elle. De la marchandise invendable. Oui, exactement. Comme un cheval qui peut pas galoper. N'en rajoute pas, elle t'a coûté moins cher qu'un cheval. Alors, vous deux, vous avez envie d'être envoyé à Sapporo pour être jugé? Vous serez sûrement condamné à quelques années de pénitencier. Et ils vous feront poser des rails sur la voie de chemin de fer. Il y aurait peut-être un moyen d'éviter ça. Donnez des chevaux à Kihachi. Dis, tu as 6 filles, c'est ça? Oui. Vous lui apporterez 3 chevaux chacun, 6 au total, avant l'arrivée de l'hiver, d'accord? Oui, d'accord. C'est réglé. Non, attendez! On va quand même pas en rester là! Je veux plus t'entendre! Retourne là-haut tout de suite, occupe-toi de Natsume. Qu'est-ce qu'on est? Pas plus qu'un cheval ou une vache. Je m'attendais à mieux de votre part. Ne te mets pas en colère comme ça, Okaichi. Beaucoup de vagabonds passent par notre ville. Il y a des chercheurs d'or et d'anciens samouraïs au ventre vide qui viennent traîner par ici. Mais eux deux, ce sont pas des minables dans ce genre-là. La plupart du temps, ils sont dans leur ferme. Ils cultivent leurs champs, ils travaillent d'arrache-pied. Ils se payent une fille de temps en temps, mais ils font de mal à personne. Comment vous pouvez dire ça? Avant, ils étaient samouraïs. Ils ont gardé des amis. S'ils se sentent trop humiliés, ça risque de mal se passer. Le temps où les samouraïs pouvaient jouer les importants est terminé! Et vous êtes là pour faire respecter la loi. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas vu assez de sang? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où tu veux le poignarder? À la poitrine, au ventre ou à la gorge pour qu'il meure plus vite? Lâchez-moi! Peut-être que tu veux lui couper son petit engin, c'est ça? C'est impardonnable. Un acte aussi cruel. C'est vrai, mais... qu'est-ce qu'on peut faire? On est seulement des prostituées. Au moins, il lui a laissé la vie. C'est déjà une chance. Merde, j'en ai assez! C'est comme ça depuis toujours. On nous laisse survivre, c'est tout ce qu'on nous accorde. Qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se résigner et accepter ça? Moi, je peux plus supporter de vivre comme si j'étais morte. Allez, pousse-toi de là. Attends. Restez là.
mal à y croire. Tu es toujours vivant. Ça faisait un bout de temps, Jubei Kamata. Le fantassin du shogun dont le seul nom faisait trembler les soldats de l'armée impériale. Jubei le tueur. Tu as tué Kondo du clan de Satsuma. Et à Yubari, tu as tué tous les soldats qui te poursuivaient. Je suis pas celui que vous cherchez. Tu vas quand même pas me dire que tu m'as oublié. J'étais ton frère d'armes, Jubei. C'est moi, Baba. À Sapporo, quelqu'un m'a dit que t'étais toujours vivant. Mais il fallait que je te voie de mes propres yeux pour y croire. Et comme tu vois, je suis un simple paysan maintenant. Une des rares chances que j'ai eues tout au long de ma chienne de vie, Jubei, c'est de ne t'avoir jamais eu comme ennemi. Ce qui ne t'a pas empêché de me faire peur, parfois même si j'étais de ton côté. J'avais jamais imaginé qu'un homme puisse tuer de façon aussi impitoyable. T'as quand même pas fait le chemin jusqu'ici, juste pour parler de toutes ces vieilles histoires. Je vais à Washiro, je pars aujourd'hui. Je vais là-bas pour tuer deux fermiers. Viens avec moi. Je peux savoir pourquoi tu vas les tuer? Ils ont attaqué une femme. Ils lui ont tailladé le visage. J'ai dit une femme. Mais en vérité, c'est une prostituée. Il y a une récompense pour tuer ces deux hommes. Une belle somme. 1000 yens. Une prime du ministère de l'exploitation territoriale? Pas du tout. Elle est offerte par les prostituées. Ça doit être de l'argent qu'elles ont gagné avec leurs clients. Tous les deux, on pourrait se partager la récompense. Allez, Jubei. Viens avec moi, tu me donneras un coup de main. Si on fait équipe ensemble, on ne devrait pas avoir beaucoup de mal à tuer deux fermiers. Je ne peux pas. La moitié de la prime, ça te suffit pas? Tu sais, avec 500 yens, tu pourrais dire adieu à cette vie misérable. Je ne tuerai plus jamais. Je l'ai promis à ma femme. Jubei, ça t'arrive jamais de te demander quelle vie on aurait aujourd'hui si on avait gagné contre ces salauds de l'armée impériale? Écoute. C'est notre dernière chance de nous en sortir. Viens là-bas avec moi. Si tu veux, je vais essayer de convaincre ta femme. Elle est morte. Il y a 3 ans. C'est non, on n'insiste pas. Jubei, tu sais, un homme ne change pas si facilement. Tu peux renier ton passé, mais ton passé t'oubliera jamais. Je vais contourner la chaîne de Taisetsu et aller vers le nord. Rejoins-moi si tu changes d'avis.
Il n'y a rien à manger là-dessus. Apporte des fleurs fraîches sur la tombe de votre mère. Occupe-toi bien de ta sœur. Si vous n'avez plus rien à manger, tuez une poule. Et si jamais vous avez des problèmes, allez voir les Ainu. Bon. Ça fait longtemps que personne n'est monté dessus. Vous inquiétez pas, je reviens dans 2 semaines. Allez. Quand je commençais à m'inquiéter, je me suis même dit que j'allais être obligé de retourner voir le chef de la brigade. La rivière était en crue, c'était impossible de passer. Oh, elle est magnifique, cette fourrure. C'est de la bonne qualité, ça. Non, pas la fourrure, c'est bon. Vous énervez pas, je vous demande pas de me la donner. Ah! Attendez, allez-vous-en d'ici. J'ai quelque chose à vous dire. Attendez. Tenez,
vous la donne pour s'excuser. Tenez, prenez-la. Ah oui, tu crois que ça suffit pour tout arranger? Si vous voulez vous excuser, vous avez qu'à vous couper les burnes. Vous êtes que des putes. Ne revenez plus jamais ici, vous deux. Arrête ça! Je t'ai déjà dit que j'aimais pas ce bruit-là. Côte à côte. J'ai pas le choix. Même si j'en ai marre de toi. Enfin, je suis quand même soulagé de savoir que tu seras à mes côtés. C'est pas moi qui ferai le travail. J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour tenir cet hiver. Rien que ta présence, ça me donne du courage. De toute façon, on partagera comme on a dit. Merci. T'inquiète pas. Je vais leur régler leur compte avec ça. T'es sûr que tu vas pouvoir les tuer? Ces deux hommes ne t'ont jamais fait de tort. Je te rappelle que toi et moi, on a tué beaucoup d'hommes qui nous avaient jamais fait de tort. Ouais, on tuait des gens et on était félicités. C'était comme ça à l'époque. Et pour nous qui étions à peine des samouraïs, tellement on était en bas de l'échelle,
se battre pour l'empereur ou pour le shogun revenait à peu près au même. Il n'y avait pas grande différence entre les deux. 11 années ont passé. Tout s'est effondré d'un coup. Le shogun a capitulé et la guerre était finie. Mais ça n'a pas empêché l'armée impériale de nous pourchasser aussi loin qu'on aille. On était obligés de tuer. Si on voulait survivre. Moi, je tuais sans raison. Ce qui me faisait peur, c'était pas de mourir. Je tuais sans hésitation. En tout cas, Jubei, c'est grâce à toi que je suis encore en vie. Mais c'est de l'histoire ancienne, tout ça. Je bois plus d'alcool maintenant. Plus une seule goutte. Ouais, je m'en doute. Tu m'as dit que ta petite femme s'était bien occupée de toi, qu'elle t'avait remis dans le droit chemin. Ouais. Monsieur Jubei, le tueur! Mon nom est... Sawada. Go, Sawada. Je sais qui t'es, t'as tué plein de gens. Moi, j'en suis déjà à 5. Ouais. J'ai tué 5 types. Tu vas tuer quoi avec ça, des rats? Ferme-la, grand-père. Eh, hey, petit, si t'as rien à nous dire, rentre chez toi. Je sais que tu vas à Washiro pour tuer 2 types. Laisse tomber, vieux machin. Je te serai utile, lui, il sert à rien. Tu racontes des sornettes. Tout ce que t'espères, c'est toucher une partie de la prime. Et alors, qu'est-ce que ça change? On veut tous de l'argent dans ce monde. La pauvre femme, ils lui ont tailladé le visage. Et aussi, les jambes, les bras... À part cet endroit-là, en bas, ils l'ont tailladé sur tout le corps. C'est horrible, ce qu'ils lui ont fait. Alors bon, en plus, tu te prends pour un petit justicier. Qu'est-ce que tu racontes? Je connais pas de meilleur tireur que Kingo. J'ai aucun goût qui rend sa grande de ce côté-là.
Quand je suis rentré chez moi après la guerre, j'ai compris que j'avais tout perdu. Ma femme s'était tirée depuis longtemps. J'ai traîné un peu partout, et puis je suis revenu ici et je me suis fait engager dans les mines de charbon. J'ai travaillé au fond d'un trou dans le noir, pendant des années. Des longues années. Un jour, je me suis retrouvé avec des cheveux blancs. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te poses déjà des questions? Viens faire un tour à Washiro, puisque tu es là. Tu verras du monde, tu t'amuseras un peu, ça te changera les idées. Je suis sûr que ça fait des années que t'as pas pris du bon temps. Ma femme me surveille de là-haut. Oh, elles sont comme ça. Elles nous laissent jamais en paix. Jubei, t'es pas le seul à avoir changé, le monde aussi. Maintenant, il faut du charbon pour que les trains et les bateaux avancent. Avec l'argent que je vais gagner, je trouverai une mine de charbon. Tu veux pas partager ce rêve avec moi? Rien qu'une fois dans ma vie, j'aimerais bien avoir une place au soleil. Allons-y, grand-père. Grand-père toi-même? Saigne du nez. Alors, les vieillards, vous en mettez du temps? J'aurais touché la prime avant que vous soyez arrivés. Le petit salopard. Allez, arrête de faire le mort. Tu sais pas viser ou quoi? Meilleur tireur, tu parles. Tu as une trop grande bouche, gamin. Si tu y tiens, je vais t'aider à la fermer. Laisse tomber, Kingo. Allons-y. Attendez. Je connais le coin beaucoup mieux que vous. La preuve, je suis arrivé ici avant. Vous gagnerez 2 jours avec mon raccourci dans la montagne. Je veux bien vous le montrer, vous avez qu'à me suivre. Il faut dire s'il vous plaît. Hein? Allez, dépêche-toi. Si on continue à traîner, quelqu'un d'autre va toucher la prime avant nous. Extraordinaire, n'est-ce pas? Ce n'est plus mal vu de manger de la viande dans les auberges. Et on lit n'importe quoi dans le journal. Bon, alors? C'est déjà vieux de 2 ans, l'assassinat d'Okubo, le ministre de l'Intérieur.
Si on reparle de cette histoire maintenant, c'est dans le but de nuire au mouvement pour la liberté et les droits du peuple, pas vrai? Depuis l'alliance entre Satsuma et Chouchou, les gens ont tendance à mettre ces deux clans dans le même sac. C'est une véritable insulte pour moi qui appartient au clan de Chouchou. Le ministre Okubo est resté archaïque jusque dans sa façon de mourir. Il a été attaqué par 6 hommes et il n'avait pas d'escorte pour le protéger. Même si on est très adroit avec un sabre, on ne peut rien contre 6 hommes. Au revoir, merci d'être venu. Vous semblez penser que si, vous face à 6 samouraïs, comment auriez-vous réagi? Il existe différentes techniques. Quel pecno celui-là! C'est des âneries, tout ce qui sort de ta bouche! Tais-toi. Décidément, on en rencontre partout, même très loin de chez eux. Des gens de Satsuma. Ils nous ont déjà imposé Okubo qui nous a fait du tort. Après, il y a eu cet idiot de Seigo qui a provoqué la guerre du Sud-Ouest. Les hommes de Satsuma se battent sans arrêt pour prendre le pouvoir, et tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est à répandre le désordre. Et c'est sans fin avec eux. Les voilà à Hokkaido, où ils vont encore essayer de grappiller des petits avantages. Dis donc, toi, tu oserais répéter ça? Si vous êtes venu ici pour faire pousser vos patates douces, vous allez le regretter. Hé hey, calme-toi! N'insiste pas. Oui? Allez lui donner. Si tu n'as pas le courage de te battre, dis-lui de me le rapporter. Tu l'auras cherché. Viens dehors! Qu'on attend, je n'ai pas toute la journée. On dirait que c'est à moi d'ouvrir le combat. Regarde-toi. Tu n'as jamais tenu un sabre, on dirait. Mais si, voyons! Bien sûr que si! Mais il est resté coincé dedans! C'est parce que tu trembles qu'il est resté coincé. Quel pitoyable spectacle! Pardonnez-nous! Toutes nos excuses! Je ne vais pas m'abaisser à le tuer. Cette petite récréation m'a donné envie de viande. Veuillez me donner vos sabres. Ils doivent être remis aux autorités. Pourquoi? Ai-je l'air d'un malfaiteur? Non, mais c'est la loi et elle s'impose à tous. Tu es passé par ici et tu n'as rien vu. C'est ce que tu diras à tes supérieurs. Vous avez parcouru tout ce chemin pour vous payer une prostituée, c'est ça? Monsieur Kitaoji. Quelle surprise. Ishizu Oishi. J'avais entendu dire que tu t'étais noyé après t'être saoulé. Malheureusement pour toi, je suis résistant. C'est vrai que j'étais saoul, mais boire l'eau de la rivière m'a fait reprendre mes esprits. Et te revoilà. C'est pour échapper à tes ennemis que tu es venu te planquer dans un coin où circuler. Qui c'est celui-là? Yasaburo Himeji. Oui, je m'appelle Himeji. Vous travaillez pour les chemins de fer, monsieur Himeji? Non, pas du tout, j'écris.
Vous écrivez quoi? Des lettres? Non, il écrit des livres. Il est venu avec moi parce qu'il veut écrire ma biographie. Doucement. Tu écris des livres. Alors tu as compris ce qui est dit sur l'écriteau, puisque tu sais lire. Pas de sabre ni d'armes à feu. J'ai interdit qu'on se promène avec dans cette ville. Et il n'y a aucune exception. Pourquoi faire tant d'histoires? Si mon sabre reste dans son étui, il n'y a pas de problème. J'étais très attendu, je vois. Je n'espérais pas un tel accueil. Sérieusement, tu ne vas pas me laisser sans armes dans un endroit aussi mal fréquenté? J'interdis les armes parce que c'est mal fréquenté. Prenez-le. Fais-y bien attention. Maintenant que tu as un peu de barbe, tu t'imagines que tu es un homme de pouvoir. Petit gars. Bien, messieurs, je vous laisse. Où tu vas? Tu crois que j'ai pas vu ton sabre court? Le sabre du samouraï est l'âme du samouraï. Quand est-ce que tu vas arrêter ton numéro de samouraï? Une chose qui m'énerve, c'est les samouraïs qui continuent à prendre des grands airs. Kaido et d'ailleurs. Ne croyez pas à cette histoire de récompense. Et si vous venez quand même, voilà l'accueil qu'on vous réserve. Dans un combat au sabre, il ne suffit pas d'être le meilleur pour être certain d'avoir le dessus, alors? Dans un combat au sabre, il y a un moment où on peut estimer la force de son adversaire. Si le niveau des deux combattants est à peu près égal, l'important est de savoir frapper au bon moment. Et si on sait à quel moment on doit frapper, on gagne en un éclair. Si on sait à quel moment on doit frapper, on gagne en un éclair. Mais les balles et les armes à feu ont changé le cours de l'histoire. Il faut être lucide. Qui a encore le courage de se battre au sabre de nos jours? Quand on confie sa vie à un sabre, on sait bien qu'on risque de mourir à la plus petite hésitation. Il s'en est donné du mal pour fabriquer ce petit stratagème minable. Prends-le.
Voilà ce que je te propose. Prends le sabre et si tu arrives à me tuer, tu pourras emmener Kita Oji et partir où tu veux. Si tu ne me crois pas, attaque-moi et tu verras. Ça t'impressionne? Oui. Allez, donne-le-lui. Chargé. Combien il y a de balles dans le barillet? Je sais pas, j'ai pas vérifié. Fais de mon sabre. Reviens nous rendre visite de temps en temps. Dépose-le à la sortie de la ville et enlève-lui les menottes. Allez, en avant! Ah oui, au fait! J'avais oublié de te dire, ton biographe préféré reste avec moi. Va en enfer, écrivain de merde, et écris ton livre là-bas. Cette ville ne vaut rien.
Ce n'est qu'un repère de crapules qui n'ont nulle part où aller. Vous n'êtes qu'une bande de barbares, vous n'avez aucun principe. Ce n'est pas étonnant que vous ayez été obligé de fuir jusqu'à Hokkaido. Le pays ne voulait plus de vous. Restez loin du monde civilisé, dans ce coin pourri au feu fond du Nord, un trembloté dans le froid glacial. Vous méritez tous de crever ici. Maintenant, jamais plus personne ne viendra pour nous. Hey, Jubei. Faut le croire, ce qu'on raconte sur toi. C'est vrai qu'à Yubari, t'as tué les soldats qui poursuivaient et les chrétiens chez qui t'étais caché. C'était une bonne idée de te planquer chez eux. Parce qu'eux aussi, ils étaient obligés de se faire discrets. Ça tombait vraiment bien pour toi. Et les soldats de l'armée impériale ont fini par te retrouver. T'as cru que les chrétiens t'avaient trahi, alors tu les as tués pour leur apprendre à se taire. Et t'as tué aussi les femmes et les enfants. Alors ? Combien de personnes t'as tué, hein ? J'ai oublié. C'est vrai, t'as oublié ? Oui, je viens de te le dire. Quoi ? T'as pas entendu ? Bon, on ferait mieux d'y aller. J'ai de quoi nous encourager pour leur régler leur compte. Bon alors, raconte ce qui s'est passé avec les chrétiens. Les femmes et les enfants qui se cachaient à Yubari ont été massacrés par les soldats de l'armée impériale, c'est ça? Dis-lui ce qui s'est vraiment passé, au petit. Hé, il y a des miliciens là-bas. Allez, allez, avancez. Allez, avancez, sale sauvage. Plus vite. Regarde. Tout soir, plus vite que ça, allez. Regarde. Traîne pas. Viens là, toi. Qu'est-ce que tu fous? Reste pas là. Va avec eux. Allez, 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 allez. Va par là. Par là, allez, je t'ai dit. Plus vite. Avancez. Plus vite. Avancez. Ferme-la. Je te pose la question une dernière fois. Mais
Pourquoi avez-vous mis le feu à cette maison? Hein? Ne fais pas attendre, réponds. Tiens. Vous me dégoûtez, vous, les Aïnous. C'est toi qui as incendié cette maison. Hein? Oui, c'est écrit sur ton visage. On n'a pas intérêt à rester là. Bouge pas! J'ai de la peine pour eux, mais si on s'en mêle, ça va nous coûter cher. Silence! C'est une maison dans laquelle la mère vient de mourir. Quand une femme meurt chez les Aïnous, on met le feu à sa maison. Pour qu'elle puisse l'emporter avec elle. Ça dérange les miliciens, qui ils brûlent leur maison. Tous alignés. Avancez. Ils veulent obliger les Aïnous à abandonner toutes leurs coutumes. Et abattez le premier qui bouge. Ordre du nouveau gouvernement. On se demande de quoi ils se mêlent. À genoux. Allez, à genoux. À genoux. Allez. Ajoute. Toi, c'est quoi ces affreuses boucles d'oreilles? Retire-les. Retire-les. Bougez pas. Quoi, tu oses me regarder? J'en ai assez, amenez-le. À vos ordres. Bon, restez là. N'approchez pas. Allez. Oh, où tu vas? Par terre, vite! Regardez, attention! Qui t'aide, toi? Shisamitaku eranbetek. Ninkari amase koroena. Ane anakune ninkari amaya. Silence! Neko ekiro suirue. Je te dis de te taire! Puisque Kortara akkani. Fais comme eux, sale chien! Faut mieux pas rester là, Jubei. Jubei. Restez là! De quoi tu te mêles? Tu fais partie de cette bande de sauvages? Hein? Je suis pas d'humeur à discuter. Un porc vient de m'adresser la parole. Ne bougez plus! Reculez! Si je comprends bien. Oui, et alors, ça te plaît pas? Je suis à moitié japonais, ceux qui nous attaquent et prennent tout ce qu'ils veulent. Et à moitié Aïnou, ceux qui se laissent tuer et piétiner parce qu'ils sont trop faibles pour se défendre. Quand on est métis, on est traité comme une merde. C'est pas très original, je sais, il y en a beaucoup d'autres. Et un vermisseau restera toujours un vermisseau. Il doit obéir aux ordres, il doit toujours baisser la tête. Je vais te donner un conseil. Ne viens pas avec nous. Si un homme qui a du sang Aïnou comme toi fait l'erreur de tuer un japonais, je sais qu'ils le poursuivront jusqu'à la mort. Oui, tu crois que j'ai peur?
T'as oublié ce que je t'ai dit? J'ai déjà tué 5 hommes. Les Japonais ne tolèrent pas que les Ainus s'attaquent à eux. Ça sera toujours comme ça. Il reste trop longtemps là-haut. C'est toi alors? Oh. Je m'attendais à autre chose. C'est moins grave que ce que racontent les gens. Oui. Enfin... C'est vrai que les autres ne sentent rien quand une personne a mal. Il n'y a que celui qu'on a fait souffrir qui ressent quelque chose. Hein? T'as l'air mal en point. Kingo, on est surveillé. Ah ouais? Ouais. On dirait que les étrangers sont pas les bienvenus ici. Non, je veux dire qu'on est suivi depuis le début. C'est sûrement à cause de la pluie. Tu ferais mieux de prendre un coup pour te réchauffer. Voir ce qui se passe là-haut. Il s'est peut-être laissé embarquer par une fille. Peut-être que moi aussi. Je pourrais monter faire un tour et profiter de l'occasion. Et toi, ça te tente? J'ai pas l'impression, non. Toi, pas d'armes dans cette ville, c'est la loi. Tu dois nous les donner. Hey, t'as pas vu les couteaux? À cause de la pluie, sans doute.
Alors, c'est quoi ton nom? Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas de nom? Trouvé sur un dépotoir, ton sabre, il te sert à taquiner les ours. Lève-toi. Hey. Oh. Il y a une vieille cabane tout en bas de la colline. Allez là-bas, d'accord? Elle est à toi, cette chaussure! Idiot, qu'est-ce que ça peut te foutre? Allez vous cacher là-bas! Dépêchez-vous! Vite! Allez! Oh, et le vieux Jubei. D'abord les chevaux. Tourne-toi. Sacré culot d'être toujours vivant. Écoute bien, Himeji. Hein? Tu as devant toi un des meilleurs samouraïs de l'armée du Shogun, Jubei le tueur. Oh. Jubei le tueur? Celui qui a tué les samouraïs du clan Satsuma et les chrétiens réfugiés à Yubari? Oui, tous, même les femmes et les enfants. Je suis qu'un simple paysan. Oh non, Jubei Kamata. T'es un tueur né, un assassin de la pire espèce. Tu te laisses faire, Jubei le tueur? Allez, montre-nous ta vraie nature. Combien de temps tu as caché qui tu es vraiment? Lève-toi. Alors? C'est tout ce que t'as dans le ventre? Écoute bien, Jubei. Dans cette ville, on veut pas de criminels comme toi. Ah!
Laissez-le s'en aller. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Un coup en traître. Il n'aurait jamais réussi à l'avoir sinon. Je ne veux pas mourir. J'ai peur. Aide-moi. Mais oui, t'en fais pas, Jubei. Je suis là. Ça va aller. Reste tranquille. À personne. Il faudra rien raconter sur moi. À personne. Surtout pas à mes enfants. Ne leur dis rien. S'il te plaît. Ne t'inquiète pas. Tu es avec nous. On dirait qu'il va y passer. C'est un dur à cuire. Il est toujours vivant. Laissez-nous 2 ou 3 jours, ça devrait aller. 2 ou 3 jours? Pourquoi faire? À quoi ça sert de traîner? Moi, je suis prêt, on peut les tuer demain. On ne se lance pas là-dedans sans Jubei. Attends, tu veux rien? Dans l'état où il est maintenant, il ne nous sert plus à rien. C'est que 2 petits fermiers. À nous 2, on va vite leur régler leur compte. En attendant, on va vous apporter à manger. Et aussi des médicaments. Vous partez déjà toutes les 2? Encore une fois, je te paierai après. D'accord? Toute ta prime va y passer, c'est ça que tu veux? Avant de dépenser ta prime, il faudrait commencer par la gagner. Oui, faites-moi confiance. Faut pas vous inquiéter. Je comprends que vous soyez en colère. Je vais m'occuper de votre vengeance. Vous avez mal? C'est comme si mon visage allait se déchirer. Mon visage est comme le tien maintenant.
J'aurais pas dû dire ça. Je veux savoir depuis combien de temps je suis là. Ça fait 3 jours que vous êtes là. Ça fait 3 jours que tu... C'est vrai. Je te dois la vie, alors. C'est vraiment étrange. Je suis toujours en vie. Je suis là, je mange. En regardant les montagnes. La dernière fois que j'ai vu mon père, il était assis comme vous. Comme un homme qui portera ses fautes sur son dos jusqu'à la fin de sa vie. Ma femme m'a dit ça un jour, elle aussi. J'ai longtemps pensé que ma vie ne serait que ça. Pour me rendre compte que je pouvais vivre autrement, il m'a fallu des dizaines d'années. Où elle est, votre femme ? Elle veille sur nos enfants. Elle veille sur nos enfants. Alors, ça y est. Vous êtes vraiment décidé à les tuer ? Je voudrais savoir si c'est aussi pour de l'argent que vous avez tué des femmes et des enfants.
nord. Non, il a eu seulement son cheval. C'est énervant, merde. Tu l'as raté. Attention, Unosuke. Unosuke. Tu peux marcher. Vise bien cette fois. Unosuke. 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 Tu es blessé. Allez, allez, vite, brûle-toi. Vous allez voir. À l'aide. Attention. Salopard. Ils ont des mousquets à mèche. Ils ont des mousquets. Alors j'y vais, on va rigoler. Dépêchez-vous, ils viennent vers nous. Oui, oui, je fais vite. Ça y est, ils arrivent. Je suis pas encore chargé. Je suis pas prêt, vite. J'ai pas encore rechargé. Arrêtez de nous tirer dessus. Foutez le camp d'ici. Il faut vite le buter. Les autres vont pas tarder à revenir. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Tais-toi. T'as tailladé le visage d'une femme. Non. C'est pas moi qui l'ai tailladé. T'imagines quand même pas qu'on va te croire. Tu dois payer pour ce que t'as fait. Merde. Oh merde. Donnez-moi de l'eau. J'ai la gorge qui brûle. Ma gorge. Qu'est-ce que t'as? Je saigne. Allez, bute-le. Oh merde. Donnez-moi de l'eau. Il va pas s'en sortir. Abrège ses souffrances. Tubei. Cette histoire de charbon, tu sais. J'ai menti, c'est n'importe quoi. Je n'ai nulle part où aller. Je sais pas ce que je vais faire. Hé, il essaye de se tirer. Vous le laissez foutre le camp. Vous m'entendez, oui? Oh, hé. Excuse-moi. Isuke, Shinjiro, Sanosuke. Yeah.
te demande pardon, Jubei. Excuse-moi de t'avoir entraîné dans ce merdier. C'est encore toi qui vas être obligé de faire le sale boulot. J'en peux plus, j'arrête. Kingo, faut pas oublier la récompense. Il reste le deuxième, on doit le tuer aussi. Ferme-la, toi. Jubei. Je m'en vais, excuse-moi. Bonne chance à tous les deux. Kingo. Kingo. Tu n'auras pas à le tuer, l'autre. On va s'en charger. Tu sais, je tiens à te remercier. Après tant d'années, je sais enfin quel homme je suis grâce à toi. Ma vie n'a été qu'un tissu de mensonges jusque-là. Après toutes ces années, je me rends compte que tu m'as toujours fait peur. Mais que je t'enviais. Alors j'arrivais pas à m'éloigner de toi. J'ai attendu trop longtemps avant de venir te voir. Allez, adieu, Jubei. Souris-moi pour la dernière fois. Souris jusqu'au bout. Les assassins ont pris la fuite vers l'est. L'un d'eux a une marque sur la joue droite. Une marque faite par le chef de la brigade. Il a un complice qui a les cheveux blancs et le troisième ressemble à un singe. C'est certainement un Ainu. Ils ont des armes à feu. Le chef de la brigade vous ordonne de les ramener vivants. Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous avez oublié le maniement du sabre ? Prenez chacun une arme ! Ito, attaquez-les pendant leur sommeil. À vos ordres. Alors, ça y est. Il en a vraiment tué un. On commence à en avoir assez ! Vous allez être obligé de me débarrasser d'elle, sinon ça va mal finir. Ils ont quand même pas fait tout ce chemin. Juste pour prendre du bon temps avec une fille. De pleurnicher. Alors tu te retrouves tout seul.
toute façon, pour taillader le visage d'une femme, faut être un lâche et un voyou, selon moi. Et pour rien te cacher, j'en ai rien à foutre que tu te fasses tuer par ces trois crétins. Et hey, toi, n'écris surtout pas ce que je viens de dire. Faut que je pense à ma réputation. Vous avez lu dans mes pensées? Celui qui gagne et qui survit devient un héros. Celui qui perd et qui meurt passe pour un salaud. Dans les livres d'histoire, c'est toujours comme ça, non? Et ce Jumei, alors? Pourquoi ne pas l'avoir tué quand il était là? D'où ça vient cette odeur de merde? Je crois que mon nez va exploser. C'est pire qu'une montagne de crottins de cheval. Ouais, c'est vrai. Raconte-moi. Comment tu t'es retrouvé avec une femme Aïnou? Hein? Ouais, ça aussi t'as oublié. Non, je pourrais jamais l'oublier. J'ai enlevé cette femme à sa famille. Bon, t'es pas le seul à avoir fait ça. Depuis le jour où ma mère est morte, tuer mon père est devenu ma principale raison de vivre. C'est lui que je voulais tuer en premier quand je me suis procuré cette arme. Il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'un homme fasse du mal à une femme. Merde! Qu'est-ce que ça pue? C'est le tien, celui-là. Vas-y. Ah!
Tu te souviens maintenant ? Où est-ce qu'il est allé se planquer, Jubei ? Et l'autre, là, ce Ainu de merde. C'est pas un Ainu. C'est pas... C'est pas un Ainu. Mais comment je peux savoir ? J'en sais rien ! Alors c'est quoi, ça ? Pourquoi il y avait un poignard d'Ainu planté dans le corps de Sanosuke ? Okaji, t'as prévu quoi pour donner la prime à Jubei? C'est déjà fait. On lui a déjà donné l'argent il y a longtemps. Je te l'ai déjà dit, tu te souviens? Je supporte pas qu'on me raconte des histoires. Mais tu vois, c'est pas mon genre de frapper les femmes. J'espère que la petite Okaji va vite nous dire la vérité. En attendant, tu vas rester comme ça. Non! Je vous en supplie, non! Regarde bien, Okaji, ouvre bien tes yeux! Il avait une balle dans le corps, mais il s'est quand même jeté sur moi. Il fallait être coriace, tu sais. Il y a de quoi s'affoler quand on voit ça. Bon, en tout cas, j'ai réussi à l'achever, c'est fait. Figure-toi qu'il était en train de chier quand je suis arrivé. Il a eu ce qu'il méritait, celui-là, c'est fait. Regarde. Je tremble encore.
C'était la première fois. La première fois que je tuais quelqu'un. C'est tellement facile! C'est si facile que ça, merde! Tu peux boire tant que tu veux pour essayer d'oublier. Ces souvenirs te reviendront un jour ou l'autre. De toute façon, ils méritaient de mourir, ces deux-là. C'est vrai, non? C'est passé. Il a été tué. Votre ami, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé et ils l'ont tué. Ingo. Le chef de la brigade l'a torturé. Il l'a frappé tellement fort qu'on l'a entendu hurler dans toute la ville. Kingo n'avait tué personne. Il n'avait tué personne. Qu'est-ce que le chef voulait savoir? Si tu étais Ainu. Et il lui a demandé de dire où vous étiez caché. Kingo lui a dit? Les coups s'abattaient sur lui, mais il disait qu'il ne connaissait pas un seul Ainu. Et à la fin, il a souri et il a dit: tu ne sais pas de quoi Jubei est capable. Jubei va revenir dans votre ville. Et il va vous massacrer jusqu'au dernier. Impossible. On n'y arrivera jamais.
Si quelqu'un méritait d'être tué, c'était toi ou moi. C'était pas Kingo. J'en ai assez de tout ça. Je veux plus jamais tuer quelqu'un. Je peux pas être comme toi, j'y arriverai jamais. Je veux pas être comme toi. J'en veux plus de cet argent. Prends-le, tu peux tout garder. Ne t'imagine pas que tu vas pouvoir changer d'avis. Arrête de me regarder comme si t'allais me tuer. À mes enfants. Grâce à ma femme, j'ai pu connaître une autre façon de vivre. Ce collier lui appartenait. Donne-le aussi à mes enfants. Réchauffer, on se mettra en route. On va traquer ces deux salopards autour de la ville et on va les ramener ici. Ouais. J'avais droit à deux verres chacun. Allez-y, c'est ma tournée. Voilà. À votre disposition. Chef, j'ai prévu de poster trois hommes ici par sécurité. Pourquoi tu me dis ça ? C'est toi le patron ici. C'est pas de contrôler. Il
Il a exposé le cadavre de Kingo devant l'entrée. Il devait s'attendre à le payer de sa vie. Ce qui essaie de m'arrêter, je les tue. T'as une âme de tueur assoiffée de sang. Oui, c'est vrai. Tu es le dernier, il ne reste plus que toi sur ma liste. T'es amusant, toi. Vous êtes prêts? S'il me tire dessus, à vous de jouer. Je compte sur vous pour le transformer en passoire. Tu n'as pas la plus petite chance de t'en sortir.
Viens. Je suis seulement un petit écrivain. Oui, seulement un écrivain. J'écris des articles. Je travaille dans un journal. Et j'écris aussi des livres. Tu es un écrivain. Mais je n'écrirai rien sur ce qui s'est passé ici. J'ai rien vu. Je n'écrirai rien. Écris avec précision ce qui s'est passé ici. Mais... vous êtes sûr que vous voulez que je raconte ça? Vous serez pourchassé par la police jusqu'à la fin des temps. Il y a une condition. Le jeune a noué la prostituée. Si tu parles d'eux, je te retrouverai pour te tuer où que tu sois.
la dernière fois que j'ai vu Jubei. Il nous avait confié ses biens les plus précieux à Goro et à moi, avant de disparaître. J'ai senti le soleil se lever dans mon dos. J'ai pris une décision. Celle de vivre à cet endroit. Là où Jubei avait aimé son épouse. Là où il avait aimé ses enfants. Là où il avait connu l'espoir une fois dans sa vie. Et j'étais persuadée qu'un jour ou l'autre, il reviendrait.